sorry to keep you again. Président de la Cour constitutionnelle entra. Je prends l'occasion de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au sein de notre institution et de vous remercier de l'honneur que vous nous faites en marquant de votre présence cette importante toi. Celle-ci se déroulera autour du programme ci-après. Discours de Monsieur le Conseiller spécial. Mesdames et Messieurs, les membres des institutions républicaines et organismes internationaux, Monsieur le Procureur général, Père à Cour suprême, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les représentants des médias publics et privés, chers invités, avec l'esprit et honneur, je prends la parole à cet instant solennel de ce rituel républicain de prestation de serment, de prestation de service de président et vice-président de la Cour constitutionnelle. J'apprécie sincèrement l'honneur qui m'est fait en me donnant l'occasion de m'adresser à vous. La cérémonie qui nous réunit ce matin est la suite logique du scrutin intervenu au sein de la Cour constitutionnelle le 28 septembre 2018, avec l'élection de M. Mohamed Lamine Bangoura jusqu'à la vice-présidente de la petite Cour en qualité de président de la Cour et du conseiller Amadou Diallo en qualité de vice-président de la Cour constitutionnelle. Cette élection a été confirmée par M. le président de la République par décret numéro 240 du 3 octobre 2018. Aussi, bon nombre de citoyens pensent que cette passation de service est la conséquence du décret de confirmation de M. le Président de la République. Que non. Cet acte réglementaire du chef de l'exécutif n'a en réalité comme objet que de rendre possible pour le nouveau président de la Cour constitutionnelle l'exercice de fonction de gestionnaire administratif et financier de l'institution tel que prévu par l'article 88 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Je veux parler de la fonction d'ordonnateur du budget de la Cour. En effet, il faut rappeler que l'élection du président de la Cour constitutionnelle se déroule en interne, sous la supervision d'un huissier de justice dont le procès verbal dressé constitue la seule preuve du processus et qu'il met à la disposition de la Cour pour servir et valoir ce que de droit. Aussi, il faut noter que cet acte d'un officier ministériel qu'un huissier, bien qu'il soit authentique, ne peut servir de base pour les administrateurs et dépositaires des fonds publics que le président de la Cour constitutionnelle, en qualité d'ordonnateur du budget de l'institution, doit gérer. D'où la nécessité d'un acte réglementaire pour authentifier cette fonction. Autrement dit, ce décret dit décret de confirmation est une pratique administrative qui a tendance à entrer dans la tradition qui permet au président élu de la Cour constitutionnelle d'entrer dans la plénitude de son statut d'ordonnateur du budget de l'institution, lui donnant reconnaissance d'un pouvoir administratif et, en d'autres termes, rendre opposable aux gestionnaires et dépositaires des fonds publics la fonction administrative du président de la Cour constitutionnelle distincte de sa fonction juridictionnelle. Monsieur le Président, chers invités, la Cour constitutionnelle, en tant que haute juridiction, se présente comme une véritable gardienne de la Constitution et des lois de la République.
les juges de la Constitution et des lois et garantes des libertés publiques, et aussi l'organe régulateur du fonctionnement de l'institution de l'activité des pouvoirs publics. Elle œuvre aussi à l'enracinement de la démocratie à travers ses missions de contrôle de la régularité des élections nationales et juge du contentieux électoral. En tant que juridiction, elle est placée en dehors de la pyramide judiciaire, de la pyramide du pouvoir judiciaire, lequel est exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. La composition de la Cour constitutionnelle est fixée par la Constitution en son article 100, au nombre de 9 membres désignés par les différentes institutions que le texte détermine et pour un mandat de 9 ans, renouvelable par tiers tous les 3 ans. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le serment que vous avez prêté en intégrant la Cour constitutionnelle continue de vous lier dans vos nouvelles fonctions de président et de vice-président de la Cour. Il constitue un véritable sacerdoce, sur quoi vous devez veiller scrupuleusement, surtout quand il s'applique aux missions de régulation et de garantie qui sont attribuées à la Cour constitutionnelle. À ce serment s'ajoute la formule générale qui s'applique à tout magistrat, quel que soit l'ordre auquel il appartient. Il s'agit du comportement en tout lieu et en tout temps en digne et loyal magistrat. Pour ma part, et dans l'exercice de ma fonction de vice-conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, vous pouvez compter entièrement en tout temps et en tout lieu sur ma disponibilité et mon dévouement pour tout ce qui concerne le fonctionnement régulier de votre cours. Avant de terminer, permettez-moi encore une fois de vous adresser mes vives félicitations pour votre élection dans vos nouvelles fonctions et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Chargé de relations avec les institutions, messieurs les hauts cadres de la primature, monsieur le procureur général auprès de la Cour suprême, messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales, mesdames et messieurs les représentants des médias publics et privés, chers invités, mesdames et messieurs, introduisant mon propos, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à la Cour constitutionnelle et vous remercier pour la promptitude de votre réaction à prendre part à cette cérémonie de passation de service. Mesdames et messieurs, en acceptant la haute fonction de président de la Cour constitutionnelle, je tiens d'abord à rendre grâce au Tout-Puissant Allah pour m'avoir gratifié en inspirant le choix de ma modeste personne à mes collègues pour servir mon pays à la tête de cette prestigieuse institution. Je l'implore de raffermir mes pas et ceux de tous ceux qui participent à la noble et exaltante tâche visant à conduire les destinées de la Cour constitutionnelle vers des lendemains meilleurs. Aussi, voudrais-je avant tout remercier ceux auxquels je dois le privilège de m'adresser en ce moment. Mon premier mot sera ainsi pour mesdames et messieurs les conseillers de la Cour constitutionnelle. Chers conseillers, de quelle formule dois-je user pour vous exprimer ma gratitude? Je vous dirai cependant que connaissant le poids de la charge que vous m'avez confiée, je n'ai aucunement la prétention de l'assumer tout seul.
D'ailleurs, si je l'ai accepté, c'est parce que je suis convaincu qu'il ne reposera pas exclusivement sur mes épaules. Au-delà des mots, la seule attitude qui s'abritue pour répondre à vos attentes serait de me comporter en digne et loyal serviteur de la Cour constitutionnelle, conformément aux lois et règlements de la République. Je serai constamment à votre écoute. Je serai le fidèle interprète de nos décisions communes et le simple exécutant des tâches que nous aurons à définir ensemble. Nous allons amorcer une nouvelle ère dont les gros piliers sont le respect de la loi, l'esprit de collégialité, le respect mutuel, la solidarité, la fraternité, la transparence et l'humilité. Nous allons par ailleurs consolider les bases de notre indépendance en veillant au respect de la Constitution dont notre juridiction en est la gardienne. Je donne l'assurance que la Cour constitutionnelle ne dérogera pas à sa mission fondamentale, celle de contribuer au renforcement des valeurs démocratiques dans notre pays. Mesdames et messieurs, la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Cour constitutionnelle n'intervient-elle pas, en effet, au lendemain des secousses diverses qui l'ont agité. Des très nombreux Guinéens, juristes, responsables politiques, cadres de la société civile, intellectuels, hommes de médias, citoyens, ont exprimé aux quatre coins du pays, voire hors de nos frontières, leur avis et leurs préoccupations. La Cour constitutionnelle n'est pas restée insensible face à ces avis du cœur et d'autres réactions patriotiques. Elle a pris ses responsabilités en mettant en avant les intérêts supérieurs de la nation. Aujourd'hui, elle repart d'un nouveau pied, prête à faire face aux défis qui l'interpellent au service de notre peuple et de sa jeune démocratie. Mesdames et messieurs, en tant que professeur de droit, profession que j'exerce depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai un double objectif: mériter la confiance de mes pairs et du peuple de Guinée. Le second objectif, donc, veiller à ma qualité du président, à ce que la Cour constitutionnelle accomplisse sa mission de contrôle de constitutionnalité des lois, des ordonnances, des règlements de l'Assemblée nationale et des engagements internationaux de notre pays. Et cela en toute indépendance et dans le respect des règles en vigueur. Mesdames et messieurs les conseillers, aujourd'hui, il y a la nécessité impérieuse de restaurer l'image, la dignité, la crédibilité de la Cour. La Guinée a plus que jamais besoin d'une Cour constitutionnelle crédible au service de la stabilité des institutions de notre pays. À ce titre, l'actualité démontre à quel point notre projet démocratique est fragile. Cette actualité interpelle nos consciences et rappelle la nécessité des institutions solides pour notre pays. Chers conseillers, je sais vous mesurer avec l'humilité l'immensité des défis auxquels nous devons désormais faire face. Cependant,
comme par le passé, je reste convaincu qu'ensemble, nous saurons les surmonter afin de redorer le blason de la Cour constitutionnelle, juge de la constitutionnalité des lois et organe régulateur des pouvoirs publics. Ces deux missions en font incontestablement de la Cour constitutionnelle l'institution qui parachève la construction de la démocratie dans notre pays et la garantie de l'état de droit. Dans cette optique, j'exhorte chacun de nous, j'exhorte chacun de nous d'observer les règles fondamentales telles que prévues par les dispositions de l'article 35, alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui dispose. La Cour statue en formation ou en composition collégiale normale de 7 membres. Ce passage est si conçu qu'il soit un plein de sens, car il constitue la pierre angulaire de notre institution. Il est gage de la transparence, l'une des vertus majeures qui gouverne toutes les institutions publiques. Je fonde également sur l'article 26, de la Constitution qui dispose. Quiconque occupe un emploi ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité de service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous. De même, il est à rappeler également que les membres de la Cour constitutionnelle ont pour tradition de s'exprimer peu publiquement du fait qu'ils sont tenus à une obligation de réserve. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment de garder le secret de délibération et de vote, de ne pas prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Ces principes, mesdames et messieurs, je m'engage à respecter et à les faire respecter à la lettre, car ils sont le fondement de toute légitimité et leur violation constitue un motif grave dont les conséquences sont sanctionnées par les textes de la République. Chers cadres et personnel de l'administration, nous évoluons ensemble depuis plus de 3 ans et je suis conscient de vos préoccupations et aspirations en vue d'assurer le bon fonctionnement de la Cour. Je m'y emploie à y faire face avec mes collègues conseillers, car l'amélioration de la capacité opérationnelle du personnel administratif sera l'une de nos priorités. Monsieur le Président sortant, c'est le moment de vous remercier pour avoir dirigé les premiers pas de la Cour qui l'ont permis d'inscrire ses premiers titres. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous rassurer que la Cour constitutionnelle, institution gardienne de la Constitution, que j'ai le privilège de présider en tant qu'assumé, avec dignité, responsabilité, la compétence et l'attribution qui lui confère la Constitution, socle et toiture de notre nous, Dr Pamela Lamine Bangoura, Monsieur Amadou Diallo, Madame Fatmata Morgan et Monsieur Salou Fofana, chef de la division des affaires financières, attestons avoir supervisé le processus de passation des services entre M. Khalifa Sall
président sortant, et Dr Mohamed Lamine Bangoura, président entrant. Ainsi, le président sortant a mis à la disposition du nouveau les clés des appartements privés et du bureau. L'un et l'autre ont assuré le déménagement de leurs affaires personnelles progressivement. Le président sortant a également reçu les clés du bureau des conseillers au sixième étage. En ce jour du 8 octobre, à la cérémonie officielle de passation de service, était présent M. Mohamed Lamine Bangoura, président entrant et vice-président sortant, M. Amadou Diallo, vice-président entrant, les membres de la Cour constitutionnelle, le ministre conseiller spécial du président de la République chargé des institutions républicaines, le représentant du président de l'Assemblée nationale, le procureur général près la Cour suprême, le représentant de la présidente du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes, le président, le représentant de la présidente de la Haute Autorité de communication HAC, le représentant du chancelier des ordres nationaux des mérites, le président de l'institution nationale indépendante des droits humains, le représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante, le médiateur de la République, le représentant du premier ministre chef du gouvernement, le représentant du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, la presse. Après les mots de bienvenue de M. le secrétaire général et le discours du ministre à la présidence chargé des relations avec les institutions républicaines, qui a remercié le président sortant et encouragé le président entrant, il est revenu à Dr Mohamed Lamine Bangoura de prononcer des civilités et un discours circonstancié dans lequel il a remercié tous les collaborateurs et a rendu un hommage au président sortant en louant ses qualités, en louant la qualité de ses travaux. Il a remercié les conseillers qui l'ont élu et a dit qu'il est à la disposition de tout un chacun. Il promet de tenir haut le flambeau. Dans l'ensemble, l'inventaire des biens et archives a été fait selon les règles et bonnes pratiques administratives en vigueur. L'Assemblée plénière a validé le document de passation de service en son audience du 4 octobre 2018. La Cour exprime sa gratitude à l'égard des hautes personnalités qui ont rehaussé de leur présence la présente cérémonie de passation de service. Dit tout, le présent procès verbal a été dressé pour servir et valoir ce qu'est de droit. Conakry, le 8 octobre 2018. Ont signé le président sortant, M. Khalifa Sall, le président entrant, M. Mohamed Lamine Bangoura. Je vous remercie.